pute, là. Je vais recevoir un truc chez les flics. Ça vous suffit pas, là, ce que j'ai payé? Non, ça vous suffit pas. Manifestement, non. Ouais, vous en faut plus. Désolé pour vous, mais ça va être votre fête. Salut, vieille pute. La colère est passée, c'est bon. Vous vouliez 1 000 chacun. Ta mère a pris 300. Et vous voulez plus? Voilà, j'ai reçu une convocation chez les flics. Il paraît que vous voulez plus. Ouais. Désolé, mais vous n'aurez pas plus. Non, vous n'aurez pas plus. Niqué. Dans le cul. 300 euros. Ça fait 100 euros chacun. Ouais, divisé par trois, évidemment. L'héritage, vous pouvez mettre dans le cul. Tous les deux, tant que vous êtes. Ça te va, tête de nœud? Ouais, ça te va. Ouais. Ouais, il paraît que t'aimes bien les... Comment on dit? Ah ouais. Parlez des francs à francs. Ouais. Manifestement, non. Voilà. Je dis à ta mère qu'elle l'aille dans le cul. D'ailleurs, vous l'avez tous dans le cul. Bande d'enfoirés. J'ai sorti, il m'a envoyé les flics ce jour-là. Tu sais quel jour qu'on est? Non. Si? Enfin, j'espère pour toi. Enfin, c'est pas grave. Salut, enfoiré. Ah oui, tu peux toujours porter plainte. Ah, c'est vrai, combien j'ai fait là? Oui, attends. 5-6 appels. Et tu diras toujours que oui, tu connais mon adresse, mon numéro, mon nom. Et bah, ça pose pas de problème. J'attends ton retour. Salut. J'ai reçu aujourd'hui un appel des flics. Il paraît que tu me cherches des noises. Bon, eh ben, tu pourrais toujours porter plainte, comme tu as l'habitude. Quoi? J'ai eu 5-6 appels? Quoi? C'est... Ah oui, harcèlement. Voilà. Alors, tu connais mon nom, mon adresse, mon numéro de téléphone, et quand tu iras au flic, et bah, tu fais la même chose. C'est dommage, là, ta mère a eu 300 euros. Ta sœur, rien, et toi, rien. C'est bête. Bah, insiste, là. Si je peux, ce que tu auras beaucoup plus. Il paraît que vous demandiez 3 000 euros, tous les trois. La juge a dit que 300 euros, c'était suffisant. Bah, essaye toujours. Peut-être que tu auras 30 000, 40 000, 50 000. Ouais. Ouais. Avec un peu de chance. Ah, c'est vrai, oui. Et la flic m'a demandé, quand tu as porté plainte, elle m'a dit, ouais, pourquoi tu as dit ça à ton fils? Pas de faire, non. Ah, tu le sais. Je t'ai porté plainte. Ouais. Salut. Va porter plainte, ça va te gagner du temps. Je te rassure, t'existes plus pour moi depuis le 2 février 2009. T'aimes bien les dates, moi aussi. Allez, au plaisir, plus t'en voir, plus t'entendre, et tu peux aller crever. Chut.
Charogne. Ah oui. Je te rassure, c'est pas à peine. Tu me rappelles mon grand. C'est pour te dire, c'est pas parce que je te dis couille que t'es un homme, mon grand. Oh non, loin de là. Et tu vas le comprendre, là, va pas longtemps. Oh, ça, c'est sûr. Parce que je cite. Comment t'appelles ça? Ah oui, non, mais tu le sais. Il paraît que t'envoies des messages comme ça, cool. Ouais, papa, c'est moi, ouais. Salut, mon grand. Ouais. C'est juste pour te dire. Tu sais, quand c'est l'anniversaire de la grand-mère, ta vidéo. Je viens juste de la regarder. Bah, plus je la regarde, plus c'est honteux. Ouais. Elle vient gratter l'abricot et tout. Bah, j'étais là quand a passé le truc. Ouais. J'espère que si t'es fier de toi, tant mieux pour toi. Parce que c'est honteux. Honteux. Bon, bah, si ça plaît à toi et à ta mère, ça devrait suffire, je pense. Mais à part toi et ta mère, ça n'a pas plu à beaucoup de monde. Ouais, il a gratté l'abricot. Ouais, j'ai cherché les vidéos et tout. J'ai cherché les chansons et tout. Eh bah, ben, je tiens tout à ta disposition. Ouais, l'abricot et tout. Ouais. Honteux. Honteux. Honteux! Un cinéaste, ouais, c'est sûr. On peut tout se permettre, mais pas avec la famille, hein, mon chéri? Ah, sûrement pas, ouais. Ah, je te rassure, mon grand. Ah oui, pardon, monsieur. Pour l'héritage, comme tu as l'impression de te dire que tu n'as rien à foutre, je te rassure. Toi et ta soeur, vous n'avez pas de balle là. C'est déjà tout prévu. Ah oui, mais. Comme disait ta mère, oui. Ah ouais, il prévoit tout. Oui. Bah, c'est vrai, je prévois tout. Vous n'avez pas de balle. Ni dette, ni intérêt. Qu'est-ce qu'il a dit là? Non, ça regarde que moi. Tu peux te branler tranquille, mon grand. Tu peux faire ta pute. Il paraît que. Oui, il m'a dit, la flic, il m'a dit, c'est quoi cette histoire de pute? Ouais. Et je lui ai expliqué. C'est dommage. Quand t'as porté plainte, t'aurais dû lui dire pourquoi. L'histoire de la pute. Non? Ouais, c'est dommage. C'est noir sur blanc. Au tribunal, c'est fait. Je suis passé. Et voilà. J'espère que t'es pas fâché, non? Non. Non, t'es pas fâché. Un garçon comme toi qui n'a rien à foutre. Ouais. Ni son papa, ni sa maman. T'as rien à foutre de rien. Je te rassure. Décembre 2019, tu peux crever la gueule ouverte, mon grand. Attends, oui. Ah, j'espère que tu as enregistré et tu vas au tribunal. Non, non, d'abord à la police, porter plainte. Hein, sale pédé. Quand tu veux. Je te rassure. Question pognon. Ta mère avec la maison, elle va vous niquer autant que moi. Et alors ça, chacun pour sa gueule. Si t'as apporté rien, t'as rien. Elle va vous niquer, ça c'est sûr. Mais ça c'est votre problème, c'est pas le mien. Au plaisir de plus vous revoir.
Salut. J'ai envoyé pendant 3 fois la fameuse vidéo Prévette, que j'adore. C'est de plus en plus dégueulant. J'espère que tu n'es pas fier de toi. Enfin, si tu es fier, alors là, ça me dégoûte. En tout cas, je suis dégoûté. Ouais. Et j'ai cherché et j'ai décortiqué toutes tes chansons. Je l'ai trouvé pas mal. En vrai. J'ai les CD avec. Tellement je suis intéressé pour ça. Mais ton cinéma, là, à la con, c'était dégoûtant. Je suppose que je suis le seul à te relever. Ah, mais c'est vrai, je suis un ivrogne et tout, ouais. Ouais, mais si tu regardes les autres et tu demandes aux autres, oh, mais ils te le diront pas. Ouais, c'est vrai, je suis le seul ivrogne. Ah, papa, ivrogne, ah, il m'a tapé dessus, non. Ah, si, il m'a enculé. Ouh, bien, ouais. C'est pas mal normal. Ouais. Enfin bref, la vidéo, j'ai pas aimé. J'ai même écœuré. Et j'étais pas le seul. Demande aux autres, tu verras. Ton break n'a pas été trop dur, non? J'espère qu'il n'a pas été trop long. Non, ouais. C'est vrai. J'ai peur. Quoi? Il paraît que j'étais pas. Non. C'est vrai que toi, ta sœur et ta mère, un bac. Moi, le beau petit papa. Comment vous l'avez dit déjà? Ouais. Ah, pas un bac. Qui m'a dit les flics? Ils m'ont demandé ça. Quand vous balancez là, plein de trucs à cochonnerie. Oui. Il paraît que vous êtes rabaissé. Oui, j'ai chez moi là, les relevés. Des trucs scientifiques, là, en noir et blanc. Il paraît que il vous rabaissait. Ouais. Moi, mon petit CAP à la con. Ouais. Ouais, il paraît de ça. Vous êtes torturé. Ouais. Et je tiens à disposition. Déclaration que vous avez fait aux flics. Ouais. Toi, à Paris, et ta sœur, à Toulouse. Ah, c'était gentil, ça. En tant que papa, ouais. C'était génial. Mais, il oubliait ta papa. C'est une saloperie. Et vous aussi. C'est une merde. Une merde à fond. Mon père, je l'aimais pas. Mais j'aurais jamais fait ça. Pour lui. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Mais vous l'avez fait, vous. Et ça, c'est votre choix. La bonne blague. Pourquoi me chercher des poux?
Putain, j'ai foutu une paix royale. Putain de merde. Porter plainte contre moi, ok? Bien. La fête est suivie. Oh, ça vous a pas plu, c'est ça? Vous n'avez pas eu votre argent? Pourquoi vous l'avez lancé là? Attends. J'ai reçu la truc à police là. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Ah, c'est ça, c'était pas assez. C'est ça? Ouais. D'accord, c'était pas assez. Hein? Eh ben, vous n'aurez pas plus. Putain, bon enfoiré. On t'aime bien votre mère, hein, vous. Elle doit être déçue, ta mère. 300 euros. Vous espériez 3 000, hein, c'est ça? D'après mon avocat, c'était 3 000 que vous vouliez. 1 000 patates de pipe. Quoi, j'étais Crésus ou quoi? Ah, peu importe. De toute façon, vous n'aurez pas plus que j'ai pas. Par contre, si tu veux mon héritage, mon gros. Toi et ta putain de sœur. Et je vais m'arranger. Vous aurez que des dettes. Et je suppose que ta mère, elle ne va pas s'y mettre. Pour les têtes. Allez, salut tête de nœud. Il paraît que t'es venu en 2015. Enfin, d'après toi, enfin, c'est pas 2015 pour moi. Si mes souvenirs sont bons, tu m'as dit, j'espère te pas ressembler. Pas être un ivrogne comme toi. J'espère que tu dois pas combattre. Non. Mon avis, c'est mal parti. Par contre, par rapport à moi, j'espère que tu ne bois pas comme moi. Ou pas pourquoi. Par exemple, je vois pourquoi. Je ne sais pas. Mais je sais que tu vas boire pourquoi. Moi, je sais. T'es mal parti. Tu as picolé, mon grand. À un point, tu ne sais même pas pourquoi. Moi, je sais. Moi, je sais pourquoi je bois. Mais tu sais pourquoi je bois? Non. Mais je sais pourquoi tu bois. Tu vas boire. À un point, tu n'as même pas idée. Tu picoles, mon grand. Tu m'as dit, je souhaite te pas te ressembler. Tu vas me ressembler, moi. Tu vas à fond la caisse. À fond, à fond, à fond. Alors dis-moi, des trois salopes que vous êtes, lequel qui m'a envoyé le truc chez les flics aujourd'hui? C'est lequel? Ta putain de mère? La salope de sœur ou le pédé de toi? Non, lequel? Putain, mais il va le savoir, t'inquiète pas. Il va aller au flic demain. Il va savoir qui m'a balancé. Qui veut recommencer le truc? 300 euros! Ça vous suffit pas? Non, c'est pas assez. Ah oui, enfin, pour ta mère, oui, il y a eu 300 euros. Ah, peut-être pas assez, avec un mille. Et toi aussi, 1 000? Et ta soeur, 1 000? Ouais. Ah, c'est vrai que 300 euros sur 3 000, ça fait pas beaucoup. J'achète mon appartement avec mes sous.
Avec tout le reste, c'est pas pour toi, tête de des bouts à ça. C'est pour ma gueule. C'est pour ma retraite. T'as le coup. Vous n'avez pas compris ça, vous. Ni toi, ni ta soeur, ni ta mère. Ouais. C'est pour ma gueule, tête de nœud, comme vous avez fait. C'est tout pour votre gueule. Eh ben, je te l'ai déjà dit. Je l'ai dit il y a 10 ans. C'est pour ma gueule. Et voilà. L'appartement, tout ça, c'est pour ma gueule. C'est un petit pécule, tête de nœud. Je te rassure. Question pognon, ta mère, avec la maison, elle va vous niquer autant que moi. Et alors ça, chacun pour sa gueule. Si t'as apporté rien, t'as rien. Elle va vous niquer, ça c'est sûr. Mais ça c'est votre problème, c'est pas le mien. Au plaisir de plus vous revoir. Salut!